Et bien bonjour à tous, c'est Chris Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 45e épisode, je crois, du spécial de la Révolution. Alors aujourd'hui, on était censé finir notre route, hein. Sauf qu'on a eu un petit souci. Je vous montre le petit souci en question. Après, on avait un drone là qui était miné du magnésium. Et ben voilà ce qui reste de notre plateforme de forage et du drone. Un joli trou parce qu'on a eu la visite d'une petite aberration. Il était venu aussi défoncer celui-là, entre-temps je l'ai reconstruit. Et là du coup, aujourd'hui, on va modifier la base. On va armer la base. Comment ça, Inhibitor Shield? Viens prendre. Non, toi tu viens prendre. Donc on est en train du coup de rajouter des armes. Vous voyez, j'en ai déjà mis une là. Alors ça, c'est les conseils d'un viewer sur Twitch hein, qui m'a dit d'enterrer mes tuyaux. Et de mettre des armes aux quatre coins de la base. Ça peut être pas mal. Donc on va essayer tout ça. Alors, on va poursuivre. Au-dessus va dépasser. Mais est-ce que je peux poser une arme ici? Ça dépasse. Ah si, je peux. Enfin, par contre, c'est cheaté. Et si je vais un peu au-dessus, ça l'a fait dépasser beaucoup de la terre ou pas? Ah oui, beaucoup trop. Bon, on va la mettre là, on aplatira un peu le tour après. Je vais pas la laisser sous la terre, naturelle, pour le but. Donc avec la drille, la proue viendra creuser un peu autour, là, histoire de faire sa propre. Là, ça fait beau. On lui creusera juste une petite tranchée, là. Ah, remarquez, je peux le faire avec vous. Peux le faire avec celle-là. Ouais, je l'avais oublié, celle-là. Alors là, c'est des piscines. Ah, encore! Par contre, ça, c'est rapide. Ça doit être beau. Il faut que j'avance encore un peu et que je la baisse. Alors, comme à chaque fois que je tourne l'épisode YouTube, forcément, il y a une météo de merde qu'on va bien sûr supprimer tout de suite. Pourquoi je me lance dans un épisode? Voilà ce que ça fait.
la poisse. Alors, tac. Non, c'est pour celle-là, c'est celle-là. Pas le coup. Mais la bonne. Oula, oula, tu es parti un peu loin d'abord ici. Donc, ça reste dans les limites du raisonnement. Un peu trop bon, là, non? Ah, on est même encore un peu haut par rapport à la coupe. On va encore baisser de 1. Et tout ça pour mettre ici. Bon, ça va faire une grande zone, mais c'est pas grave. Ah oui, ça creuse quand même un gros. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Mais... Moi, c'est pas grave. Pense que je lui ferai faire le reste jusqu'ici, ça fera tout sympa parce que là, ça va faire bizarre. Ouais, c'est pas prêt. Donc là, tout est construit ou pas? Tout n'est pas construit. Donc ça veut dire que le building repair n'arrive pas jusqu'ici. Ça c'est tombé ça. Besoin de plaques d'acier. Ah ben. Enfin, si j'avais un building repair qui allait jusque là-bas, ça serait bon. Alors oui, ils ont bien. Le décal à droite. Celui-là. Là, il y a un peu plus loin. Alors, décalons-le à droite. Horizontal, donc si vous allez à droite. Et là, logiquement, ça pose quelque chose. Là, cette arme-là est protégée aussi par un butin de repair, donc elle va être reconstruite. Ensuite, on a celle-là qui est en train d'être faite. Et ça avance pas. Du coup. Voilà, le problème. Et donc il ne restera plus qu'un mètre après ici. Dans la continuité de l'eau. Bien sûr, ça va tomber dans tous les piliers, évidemment. Et au sport marron. C'est pas drôle. Si ça tombe dans les piliers, c'est pas compliqué. Ah, c'est vrai. C'est mieux quand on peut niquer les piliers que j'ai mis en place depuis. Pas combien de temps. Alors, là, tu descends.
Et en fait, si je fais ça, ça pallira au problème tout de suite de bouton. Ah. J'avais besoin d'un d'acier. Vu que je sais que de toute façon mon builder est repéré et après c'est bon, comme vous en mettez ici. Hop. On va réparer les armes qui ont besoin. C'est ce que je veux faire, c'est ça. Hop là, tac. Alors, tac, 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 ça c'est bon. Ensuite. Ah d'accord, il n'y a plus la terre, mais il y a toujours la terre. Ah, c'est magnifique cette terre. Elle est pas belle celle-là. Ouais, elle est forte celle-là. Ah, c'est magique ça. Est-ce que je peux? Ah! Pourquoi j'ai besoin? Elle est trop belle celle-là. Voilà! Ce jeu, je l'adore. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Ah non, en fait, mon idée de reboucher les trous, ça va pas le faire. J'ai vu que c'est pas droit, j'ai niqué pour reboucher les trous. Oui, c'est carrément niqué. Ah bah ça, c'est une idée à la fin. Ah ouais, il fallait dire la coupe. Ouais, ça peut pas aller. C'est plus qu'une idée de merde. Non, mais quand on a des idées de merde, il faut le dire. Hein. Il faut assumer ses idées à la coupe. C'est pas grave.
Ah oui, bon, ça baisse la dépit. Oh là là là. Oh là là là. Oh c'est moche. Oh c'est moche. Oh c'est moche. Ah là là, ça va être dur. Bon, on fait quelques ajustements là où il y a besoin. Bon, bah, du coup, ça, c'est. Bah, c'est. Bah, du coup, ça fait très moche. J'aurais peut-être dû mettre plus large en termes de. Bon, je vais reculer un petit peu pour faire un petit câble à base. Voilà, après on se débrouillera pour passer. Ouais, mais du coup, ça, je peux y détruire. Energy low. Ah, bien. Du coup, je peux détruire ça parce que ce que je voulais faire, ça va prendre. Ouais, il aurait fallu une plateforme plate. Si ça avait été tout plat, ça aurait été tout seul. Vu que c'est pas plat, c'est tombé tôt. Vu que c'est pas plat, c'est tombé tôt. Bah ben, oui, on peut le défaire, en fait. Ouais, je vais mettre des blocs dessus. Ça marche pas forcément de mettre des blocs. Ah, bien, what? Que avec quoi toi déjà va t'éteindre pour essayer de re-remplir la tranchée ici là, pour voir. Après c'est vrai que ça fait beau. On peaufinera ça après. Parce que là, ça va être facile de mettre un truc, mais c'est là que ça va être chiant de mettre un. Là, si je mets des blocs, ils vont quand même bien se voir ici. Ah, il va dépasser beaucoup. Ouais, ça me convient pas comme ça. Ça me convient pas, ça me convient pas. En fait, je vais faire autrement. Si je fais comme ça, alors ça va faire utiliser pas mal de blocs lourds. Mais ah, pardon.
voilà comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Et là, mes larmes là-dessus. Ah, bon. Je crois que d'avoir deux arrivées. Bonsoir Black Lotus, convaincu. Alors ça, hop, là. Ouais, je pense que ça sera mieux comme ça. Et tout ça en bloc lourd pour protéger les couvriers. Et pas des blocs lourds n'importe où. Et merci pour le follow. Hop, hop, hop. Ah oui, il y en a du tout partout. Ouais. Tac. Ah, oui, on ressent. Très bon, tu peux le mettre dans le pot. Ça passe. Même s'ils sont pas utiles, cela, mais c'est mon côté maniaque et symétrique qui me casse les couilles. Faut être honnête. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, ça va. On essaye d'éviter les ennemis. Mais sinon, ça va. Et bah comme ça me paraît pas trop mal partout, ça m'inquiète que ça vienne pas faire des blocs jusqu'ici. Ouais, si ça pourrait les faire. Quoi. Du coup, on va faire pareil ici. Et du coup, j'ai creusé mon terrain pour rien. Je ne sais pas si c'est pour vous, ça. J'ai creusé tout ça pour rien, mon gars. Après, ça peut se reboucher. Ça. Mais c'est dommage, quoi. Dommage d'avoir creusé tout ça pour rien. Hop, tac. Moi j'adore la série Stargate. J'aimerais bien mettre le mode Stargate dans ma partie, mais je sais pas. C'est lequel le mieux de tous les modes Stargate? Alors moi perso j'utilise le mode Just Stargate. Il est très bien. Il faut juste ajouter avec le script Stargate. Et celui-là, l'avantage c'est qu'il rajoute pas de... d'Aquada ou autre, que sinon ça a tendance à faire bugger les parties. Enfin moi en tout cas c'est ce qui faisait bugger les parties.
ça va s'accorder à la base, c'est impeccable. Dans mon escalier, ça c'est beau. Je vais t'arrêter de laguer. Est-ce que tu pourrais écrire le nom du bot, s'il te plaît? Va sur Discord, tiens, et je te reverrai sur Discord. Mais sinon, c'est juste JUST et Stargate. Simplement comme ça se produit. Et en fait, ça donne ça après le mode tu vois dedans. Je sais pas si on fait ça. Et en fait, ça te rajoute tout ça, le mode. Et c'est plutôt sympa. Alors, hop, du coup. Là, ça, c'est bon. La L. Non, pour l'instant, on va la laisser. Pour l'instant, on va la laisser. On va juste la désactiver. Là, ça va être positif jusque là. Faut que tu puisses l'avancer. Aïe, ça fait mal. Pourquoi je me prends un truc dans la tronche? Hop! Oula, oula, oula. J'ai des trous. Ça m'en met d'où ça, ça remet? Ah bon, c'est pas mal ici, je pense. Que là on sera pas mal, donc là on est bien. Par contre, ce qui me fait chier maintenant, c'est ça. Donc, je passe, je vais pas me fait chier, c'est pas mieux posé. J'aurais dû le creuser ce truc. Du coup. Dans le Discord, je trouve pas. Je trouve pas quoi. Mon Discord ou le nom du mode? Alors oui, le nom du mode, il y est peut-être pas sur Discord. Il n'y est peut-être pas encore mis. C'est pas possible. Mais tu m'envoies un MP sur Discord et je t'enverrai le nom du mode. Tac tac tac. Du coup, moi ce que je veux là, c'est. Du coup, moi je veux que tu remplisses là où t'as creusé. Ouais, du coup, mon escalier va plus servir à grand chose. Moi ça va remplir à cet endroit là. Bon, il y a juste là pour que j'arrive à trouver pour faire une petite pente douce. Enfin, je sais comment faire, mais ça va être chiant. Alors que je foute une drill sur un rotor pour arriver à mettre un angle sympathique. Ça va pas être simple ça. Signal inconnu détecté. Comment ça, signal inconnu détecté? Voilà, il n'y a pas moyen. Où ça? Ah bon. Ah mais c'est un drop. Ah c'est pas mal. C'est qui toi? Un mini ou un mini?
Alors là, par contre, ça fait pas jusqu'ici, c'est pas mal. Je dois faire trop vite, mais j'avais été trop loin donc. Pourquoi ça ne fait pas jusque là d'ailleurs? Ah, j'ai peut-être plus de tac. J'ai peut-être plus de plaque d'intérieur. Ah oui, moteur, plaque d'intérieur, c'est tout possible. Alors. Moteur. Plaque d'intérieur. Composant de construction. Des petits types d'acier. On fera des moteurs par beaucoup parce que j'en ai pas besoin. C'est fait. Ok, bah écoute, je t'envoie ça après le live. On verra le nom du mode. Alors, tac. Là, si je mets ça ici. Il y aura besoin de mettre trop de blocs sur celui-là. Et on voit pas celui-là, on le quand même. Faut pas qu'on s'attire comme ça. Hop. Alors. Voilà. Ah d'accord, sur la ligne de route, ok. D'accord. Le bon, ça a dû le détendre. J'entends des trucs qui tirent, au délire. Ah non, mais dis pas que t'es en train de défoncer ma truc, toi. Ah bah si. Oh, en vrai, deux fois. Bon, je vais laisser tomber ces plateformes à la con de moi. Finalement, parce que c'était pas la bonne idée, ça. Les plateformes ne sont pas. Enfin, ça rend du scandale, là, en fait. On va voir.
Bon, c'est pas grave. Ça retouche pas, on travaille. Alors, là, du coup, on va pouvoir mettre tout ici. Mais je vais finir ça en live. Pour YouTube, on va s'arrêter là. Moi, je vais finir ça tranquillement. Et au prochain épisode, je sais pas ce qu'on fera, on verra. Si on s'est pas fait défoncer d'ici là. Déjà. C'est ça, la priorité, c'est de pas se faire défoncer. Et on verra. Si on se fait pas défoncer tout de suite, on prend le prochain. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, enfin, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cet épisode, et je vous dis à la prochaine, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et à vous abonner pour voir la suite de la série. Ciao, bye bye YouTube!